Casting 5 étoiles pour le nouvel album de Hellboy and the BPRD, le BPRD, vous le savez, ce fameux bureau dont est issu Hellboy. La couverture, c'est Mike Mignola, vous le connaissez, et une pléiade d'artistes de renom pour une galerie d'histoires courtes à ne rater sous aucun prétexte. Au dessin, au scénario et aux couvertures, c'est Mike Mignola. Au dessin, c'est Zach Howard, qu'on a vu sur The Cape. Matt Smith, qui a déjà fait du Hellboy. Tiernan Trevelyan, que je ne connaissais pas, mais qui a un sacré coup de crayon. Et Adam Hughes, le maître Adam Hughes. Alors, Zach Howard sur Hellboy, ça donne ça. C'est poisseux, c'est parfait. Il y a un petit côté Duncan Fegredo qui est pas dégueu. C'est vraiment magnifique. Moi, pour moi, Hellboy, c'est une expérience graphique absolument géniale. C'est une ambiance, c'est un ton, une lumière. Je me souviens, il y a 20 ans, je discutais sur un forum. Je crois que c'était le forum Wizard World, il y a plus de 20 ans. Et j'avais dit, mais je n'arrive pas à lire Hellboy. Et je ne prends pas de plaisir à lire Hellboy. Et c'était il y a 23 ans. Et on m'a dit, ben, Hellboy, ça se déguste comme un bon whisky. J'avais eu plein de conseils sympas. Il faut plonger dedans, il faut s'immerger, il faut faire le vide. Ça se lit avec une musique douce ou en silence. Ça se lit à la nuit tombée. Il y a des moments pour lire et découvrir Hellboy. Et depuis ce temps-là, j'apprécie chaque page que je découvre, notamment regardez ce type de dessin. Donc ça, c'est Zach Howard. Je vous montre Matt Smith, mais vous connaissez bien le Hellboy de Matt Smith, puisqu'il dessine également dans le dernier tome de Hellboy, le 17, sorti il n'y a pas très longtemps. Une ligne beaucoup plus claire, un dessin beaucoup plus épuré, mais parfaitement maîtrisé. Et puis, je vais directement vous montrer ce que notre ami Adam Hughes, la légende Adam Hughes, nous propose sur du Hellboy. Des ambiances absolument fabuleuses et donc des dessins flamboyants, ce trait si fin, si élégant, si joli pour une aventure magnifique avec évidemment notre Hellboy, notre ce rejeton des enfers, magnifique créature. Ça s'appelle Hellboy and the BPRD, le retour Défi Club. Voilà, c'est écrit comme ça. C'est, si vous les prenez dans l'ordre, le tome 7. Mais ce sont des histoires courtes que je vous invite à découvrir. À la fin, nous avons quelques bonus sympas avec des sketchs, mais aussi les couvertures. Et hop, voilà, les couvertures de Mike Mignola. Et ça, ça fait toujours plaisir. Hop, couverture d'Adam Hughes et de Mike Mignola. Un casting 5 étoiles pour un comics qu'il est tout autant, le BPRD, Hellboy, Mike Mignola, Adam Hughes, Zach Howard, Matt Smith, ils sont tous au rendez-vous d'un album incontournable à ne rater sous aucun prétexte. Salut.